Bonjour. Alors aujourd'hui, le verbe connaître. Nous avons vu déjà le verbe savoir. Ce sont des verbes du troisième groupe qu'il ne faut pas confondre. Attention. Savoir, c'est pour dire ce qu'on a appris ou pas appris encore. Je sais que c'est le printemps aujourd'hui. Mais connaître, c'est pour identifier quelqu'un ou quelque chose, ou dire une expérience. Je vous donnerai les exemples à la fin des conjugaisons. Donc la conjugaison, au présent, je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Exemple, je ne connais pas tous les membres de ce groupe. À l'imparfait, je connaissais, tu connaissais, il ou elle ou on connaissait, nous connaissions, vous connaissiez, il connaissait. Exemple, il connaissait bien la route pour venir jusqu'ici. Au passé composé, j'ai connu, tu as connu, il ou elle a connu, etc. Exemple, ces Ukrainiens ont connu l'enfer des bombes. Au futur, je connaîtrai, tu connaîtras, il connaîtra, nous connaîtrons, vous connaîtrez, ils ou elles connaîtront. J'espère que nous connaîtrons la paix. Au conditionnel, je connaîtrai. Tu connaîtrais, il connaîtrait, nous connaîtrions, vous connaîtriez, il connaîtrait. Exemple, si je le pouvais, je connaîtrais beaucoup de langues. Alors, quelques exemples pour finir. Voilà que je ne les retrouve pas, mais ils arrivent. Donc, connaître, comme je l'ai dit précédemment, va être suivi d'un nom ou d'un pronom, quelque chose ou quelqu'un. Exemple, je connais cette ville. Je connais le chemin pour aller à Angers. Tu connais ce restaurant? Ils connaissent tous la vérité. Je connais bien cette personne. Je la connais. Ils connaissent ce professeur depuis 2 ans. Vous essayez de connaître la conjugaison des verbes. Elle ne connaît pas le Niger. Eh bien voilà, vous pouvez trouver vous-même d'autres exemples et me les proposer. Alors à bientôt, écrivez-moi.